Parfait, nous avons le plaisir de recevoir Abdou Mohamed qui va nous parler du secteur libéral. Abdou, bonjour. Bonjour. Et avec vous, il sera question de parler du secteur libéral. C'est quoi le secteur libéral? Le secteur libéral, je peux dire, c'est un secteur où on s'auto-emploie, où on cherche notre indépendance financière et à créer de l'emploi pour d'autres personnes qui sont dans le besoin. Et là, pour vous, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat. Mais vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Déjà, à la base, je suis entrepreneur digital et j'ai diversifié l'activité dans divers domaines encore, notamment en biogaz, en engrais bio et aussi dans la formation. Nous faisons également de la communication parce que nous avons la filiale de notre entreprise qui s'appelle Mounassa Marketing et Communication. On gère la communication des entreprises, la communication des personnalités, des stars, sur les réseaux sociaux, sur les sites web, tout. D'accord. Monsieur Abdou Mamat, oui. Vous êtes donc entrepreneur. Dites-nous, comment vous êtes arrivé dans le monde de l'entrepreneuriat? Déjà, arrivé dans le monde de l'entrepreneuriat, c'était un rêve d'enfant. Je me suis dit que je vais être mon propre patron. Ouais. Parce que j'ai remarqué que le salaire, ou quand tu travailles pour quelqu'un, tu n'as pas le temps pour toi-même. Tu es forcé constamment à obéir. Travaille d'un temps X à un temps Y. Mm. Je me suis dit que moi, je suis quelqu'un de très indépendant. Donc, pourquoi ne pas me lancer une fois atteint l'âge adulte? Et c'est ainsi que, quand j'étais à l'université en troisième année, à Yaoundé, en lettres modernes, quand j'avais fini, je me suis dit que pourquoi ne pas chercher une autre filière qui fait dans l'entrepreneuriat. Ouais. C'est comme ça que je pars à l'IRIC, à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, notamment au département de l'économie internationale, où j'ai fait le marketing international. Et je me suis spécialisé dans la stratégie marketing digital pour les PME. Déjà, je me suis lancé en entrepreneuriat, pas le dropshipping, c'est-à-dire je vendais en ligne, mais je ne disposais aucun produit. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? On prend les produits des gens en photo, on poste. Quand il y a un client, on part chercher le produit, on part livrer au client, on prend notre part, on donne ce qui appartient au propriétaire. Ça, c'est pendant les études? Pendant les études. D'accord. Donc, j'avais commencé en 2018, entre-temps, j'étais en troisième année. Mm-hmm. Et avec ça, j'ai commencé et j'ai financé mes études parce que j'ai dit à un moment donné aux parents que je suis suffisamment grand et je me bats donc. Vous pouvez soutenir d'autres petits frères, moi je vais me battre moi-même. Mmh. C'est comme ça que je suis allé à l'IRIC. Ce n'était pas facile parce que là-bas, les cours, c'est lundi au vendredi, de 8h à 20h. Mais j'ai pu quand même jongler. Entre-temps, vous travaillez seul? Je travaille seul. Ouais. Donc je jongle l'école et les affaires. Mmh. Parfois, je fais les livraisons pendant la pause. Parfois, je boycotte les cours. Et ça, tout en sachant que là-bas, on note les absents. Mm-hmm. Et j'étais même convoqué à la direction. Pourquoi autant d'absences? Et j'ai réussi quand même à en tirer. Donc, après, le Covid est arrivé. Et j'avoue que ça a quand même un peu favorisé les choses parce que les cours étaient suspendus. Mm. Et même quand on avait repris, l'intensité n'était plus la même. Donc, on venait au cours peut-être 3 fois, 4 fois la semaine. Parfois, les anciens ne venaient même pas. Donc, ça aussi un peu favorisé. D'accord. Une fois au pays, comment vous êtes arrivé à mettre sur pied votre entreprise en bonne et due forme? Déjà, je ne suis pas résident ici en Yamena, je suis résident à Yaoundé. Mm. Mounassap existe également là-bas, où votre confrère, où j'ai rencontré votre confrère Bello là-bas. Ouais. Et c'est de ça qu'il m'a parlé de l'émission. Mm. Et Mounassap Tchad, je l'ai implanté, ça fait pratiquement une année, parce que je l'ai implanté en 2022, pendant les ramadans. Mounassap, qui veut dire Mounassap, qui veut dire moins cher, moins cher. Qui veut dire accessible. D'accord. Qui veut dire favorable, donc c'est en arabe. Oui, en arabe. D'accord. Donc déjà, nous sommes un groupe, Mounassap Africa Group, où nous existons au Cameroun, ici au Tchad. L'objectif, c'est de conquérir d'abord la sous-région. Mm. Donc notre but, c'est de rechercher des solutions écologiques et numériques pour une émergence accélérée de l'Afrique. Donc nous avons prospecté la Centrafrique. En novembre dernier, j'ai prospecté le Rwanda, Kigali notamment. Mmh. Donc, il y a possibilité qu'on implante aussi des entreprises là-bas. D'accord. Revenons donc à vos débuts ici sur place. Quelles étaient vos difficultés?
Les difficultés, c'était la gestion du temps, déjà. Et deuxièmement, les difficultés, que j'avais pas de fonds pour y stocker la marchandise et aller livrer. Parce que c'est très difficile d'aller trouver quelqu'un qui va vous faire confiance pour confier sa marchandise, aller livrer et revenir encore lui donner de l'argent. Les difficultés étaient aussi que quand vous rentrez, vous partez livrer le colis, vous ne savez pas à qui vous livrez. Donc, parfois, il y a aussi les risques d'agression, tout ça. Mm-hmm. Et parfois, vous partez même livrer, le client dit que non, ce n'est pas ce qu'il voulait. Parfois, il ne décroche pas le téléphone, donc vous faites des allers-retours pour rien. Vous passez vous arrivez de payer des pots cassés, genre prendre un produit et finalement ne pas arriver à livrer au destinateur et donc rembourser vous-même. Non, le deal était simple. Quand le fournisseur te fait confiance, il sait que soit le produit sera livré, soit le produit va revenir à sa boutique. Ah, vous mettez cette clause-là. Exactement. On va en parler tout à l'heure. Donc, il y a également certains qui ne vous font pas confiance. Donc, vous êtes obligé de mettre quand même, engage quelque chose et prendre le produit et aller livrer. Donc, j'avais fait peut-être 3 mois. De façon intense, et j'ai pu avoir un petit capital où j'ai stocké certaines marchandises qui sont... activement sollicité. D'accord. Pour ne pas aller tout le temps à la boutique et autres. Parfois, je prenais dans mon sac à dos, je venais à l'école, puisque je gère tout à travers ma page sur Internet. Donc, ce n'était pas compliqué. Donc, ma boutique était sur ma main. C'est au bout de mes doigts, donc ce n'était pas compliqué. Et après ça, j'ai créé le site web où les gens passaient leurs commandes. Je vérifie mes mails constamment. Quand il y a une commande, j'appelle le numéro. Vous avez commandé tant, tant. Oui, effectivement, puisque... Dans la feuille de commande, il y a l'adresse, il y a le numéro, le nom de la personne, tout ça. Donc, c'est devenu un peu trop facile. D'accord. Mais ici au Tchad, les clients n'aiment pas trop commander sur le site web. Ils préfèrent appeler ou contacter directement via WhatsApp. Ouais. Mais là-bas, au Cameroun, 80% des commandes, ça se passe sur le site web. Oui, mais Abdou, vous avez évoqué une question très importante tout à l'heure. Vous avez dit qu'avec la COVID-19, ça vous a permis d'augmenter votre chiffre d'affaires. Vous confirmez cela puisque chez certains, COVID a fait des dégâts. Il y a eu même des faillites dans certaines entreprises. Ouais, il y en a qui ont fait exactement. Je peux dire que mon ASAP était tombé à point nommé pendant la pandémie parce que c'est en ce moment que les besoins en ligne ou bien les besoins numériques ont augmenté. Fait sentir, Je peux dire que c'est une coïncidence, je n'avais pas prévu cela. Parce qu'il y avait le confinement, exactement, il fallait pas sortir. Exactement. Donc, à un moment donné, on livrait même de la nourriture. On proposait nos services aux pizzerias d'à côté, aux petits restaurants d'à côté. Donc, on partageait dans les groupes Telegram, WhatsApp, groupe Facebook, et on sponsorisait souvent les pages. Donc, nous, on a aussi profité de la pandémie. Donc, je peux dire, en grosso modo, c'est grâce un peu à la pandémie. Comme vous le dites, c'est un mal nécessaire pour nous. Mais au sein de Mounassa, est-ce que vous êtes tous des Tchadiens, comme vous dites que vous avez eu l'idée depuis le Cameroun? Exactement. Il y a seulement des Tchadiens ou vous avez également impliqué d'autres nationalités dans votre entreprise? Bon, ici au Tchad, nous sommes déjà, je vais préciser, nous sommes à côté du centre social numéro 3, à l'étage, où il y a la Star Nationale. Quand vous partez vers le centre social, vous allez retrouver une grosse plaque de la Star Nationale sur votre droite et nous sommes à l'étage. D'ailleurs, ici au Tchad, je peux dire que nous sommes tous des Tchadiens. Parce que nous avons 5 employés, 2 s'occupent de la salle de formation et 3 s'occupent de la vitrine. C'est eux qui organisent les commandes, c'est eux qui prennent les appels, c'est eux qui font les factures, c'est eux qui livrent les 3 personnes. Mais là-bas au Cameroun, le gérant, c'est toujours un Tchadien. Il s'appelle Amine Oumar Fata Djalil, c'est un petit frère qu'on s'est rencontré là-bas. Mais le reste des personnes sont des Camerounais. Et vous pensez que les relations sont bonnes? Oui, les relations sont bonnes. Déjà, moi, je ne me considère pas comme un patron. Donc, on se considère tous comme des amis, comme des frères, on fait des blagues. On n'a pas de complexe où l'autre est patron, on doit une manière de lui parler. Non, on se tutoie tous. Il vous arrive de continuer à faire des livraisons jusqu'à maintenant? Exactement, même hier j'en ai fait à Walia. Même hier j'en ai fait à Walia à un gars de la Croix-Rouge avec qui on a étudié ensemble à Koumra, parce que c'est de là-bas que je sors. D'accord. Et donc, vous pensez qu'avec tous ces chiffres d'affaires, vous arrivez à rémunérer tous vos collaborateurs? Exactement. Et sur quelle base vous les payez?
Pendant la livraison ou bien comment ça se fait? Donc ceux qui gèrent la vente, on les paye selon la marchandise vendue. Sachant que quand ils vendent tel article, ils ont tel pourcentage. Mais ceux qui sont dans la salle de formation, on les paye à un taux fixe à chaque fin de mois. Donc vous formez également les jeunes? Exactement. Nous avons formé les jeunes, je pense que c'est le 11 mars, à la Maison de la Femme. Nous avons formé, sur 300 places, nous avons vendu 282 tickets, où Elvis Tabo était également l'un des formateurs. D'accord. Alors, Monsieur Abdou Mamad, en une année d'existence, vous êtes à plus de 5 employés ici sur place. Dites-nous, puisque vous vous occupez aussi de la formation pour entreprendre au Tchad, pour les jeunes qui nous regardent, par où commencer? Pour entreprendre, il faut se développer personnellement. Ce qui manque aux jeunes Tchadiens, c'est le développement personnel. Les jeunes Tchadiens, pour lui, tout doit venir de quelqu'un, de ses parents ou de l'État. Or, à un moment donné, on doit oublier tout ça et nous considérer que nous sommes dans une forêt et c'est une question de vie ou de mort, ou c'est une question de survie. Soit tu survis, soit tu meurs. Ouais. Parce qu'à chaque fois que tu te mets des garde-fous ou tu comptes sur quelqu'un, tu finiras forcément par être déçu. Ouais. Donc, le plus important, c'est de se former d'abord, c'est-à-dire sur le développement personnel. Le développement personnel en question, il s'agit de quoi? Le développement personnel en question, il s'agit de prendre conscience de soi-même, de prendre conscience de ses difficultés, de prendre conscience de la vie. Mmh. C'est-à-dire, à un moment donné, quand vous n'êtes pas personnellement développé, c'est difficile que vous serez motivé. C'est difficile que vous pouviez vous surmonter les obstacles. Une personne personnellement développée est une personne dure, est une personne qui n'attend rien de personne, est une personne qui ne compte que sur lui-même. Quelles sont les sources de développement personnel? Sur quoi on se base pour se développer personnellement? On se base d'abord sur la confiance en soi, déjà. Et deuxièmement, il faut faire la part des choses, c'est-à-dire organiser sa vie, planifier sa vie ou bien hiérarchiser ses objectifs. C'est ça le développement personnel. Mmh. Une personne développée ou bien personnellement développée est une personne qui évolue sur la base des idées concrètes, sur la base du réalisme. On ne se base pas sur des choses fictives ou bien. D'accord. Revenons un peu à vos activités. Vous avez souligné tout à l'heure que vous faites aussi dans le biogaz. De quoi s'agit-il? Le biogaz, il s'agit d'une énergie où on peut la produire à travers des déchets domestiques, des excréments humains ou des excréments animaux, ou encore des déchets de saleté, c'est-à-dire les déchets de ménage. Donc ce n'est pas trop compliqué, mais jusqu'à là, beaucoup de gens ne connaissent pas ça en Afrique, principalement au Tchad. Or, on peut utiliser nos fosses communes et produire des gaz bio, ou bien on peut utiliser les excréments de nos animaux dans une ferme et produire également du gaz. On peut également utiliser les déchets ménagers pour produire également du gaz. Donc ce n'est pas compliqué, il suffit juste trouver la bonne personne pour vous installer le mécanisme et c'est parti. Et déjà, les avantages, c'est que ce n'est pas hautement flammable. Vous pouvez ouvrir le biogaz et laisser pendant des heures, vous allumez une allumette, ça ne prend pas. Il faut l'approcher avant que ça ne prenne. Et ça ne pollue pas également l'environnement. Or, le butane, dès que vous l'ouvrez pendant quelques minutes, un peu de flamme et puis boum, le biogaz, non, ce n'est pas ça. Ça fonctionne exactement comme le gaz butane? Exactement. Pour la cuisson des aliments? La cuisson des aliments, ça, exactement, c'est la même chose. Donc ce n'est pas compliqué. Est-ce qu'il y en a qui vous ont fait confiance ici au Tchad? Non, pas encore. Je suis venu pour la formation que nous avons lancée, nous avons fait le 11 mars. Et j'ai voulu rencontrer à plusieurs reprises le ministère des tutelles pour en parler, avant de pouvoir commercialiser ou bien de trouver des éventuels. Mais alors, vous l'avez déjà expérimenté? Oui, nous l'avons expérimenté et nous avons une petite ferme à Yaoundé vers l'aéroport international de Simalin. Donc, nous avons une petite ferme où nous avons expérimenté. J'avais d'abord appris ça sur quelle base? Je me suis d'abord fait former, bien que je ne suis pas un gars du domaine. Ouais. Et c'est une formation pratique, ce qui fait que je maîtrise la construction ou bien le fonctionnement du début jusqu'à la fin.
Donc nous avons une petite ferme où nous expérimentons tout. Nous avons les lapins, nous avons des chiens de race, des bergers allemands, des caniches. Nous avons également des oiseaux rares. Nous avons également des moutons. Nous avons également une petite botanique où nous expérimentons également nos engrais. Donc nous avons déjà tout expérimenté. Nous avons également installé quelques biogaz domestiques chez quelques personnes, mais ici au Tchad, pas encore. Pas encore. Oui, mais Abdou, aller avoir une telle créativité dans un autre pays, cela ne vous cause pas de problème? Est-ce que vous n'avez pas eu vraiment d'obstacles? Non, je n'ai pas d'obstacles. Déjà, moi-même, je suis surpris de ce que j'ai entendu sur les Camerounais et de ce que moi-même j'ai vécu. Me considère comme un frère. Même pour les papiers de mon entreprise, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes. Je l'ai eu en étant record. Et nos relations sont parfaites. Et on travaille tous ensemble. Donc, je n'ai pas vraiment d'obstacle de ce côté-là. Mais par rapport au paiement des taxes, ce n'est pas très élevé par rapport aux nationaux eux-mêmes? Bon, non, ce n'est pas, c'est toujours les mêmes taxes. Il n'y a pas de différence? Non, il n'y a pas de différence. Déjà, les impôts sont, que ce soit au Tchad ou au Cameroun, les impôts sont déclaratoires. Donc, ce qui fait que c'est aussi un peu, ça allège un peu. Alors, le maître en face de vous hoche la tête, ça veut dire qu'il comprend. Il comprend un peu. Bienvenue, maître Amos. Vous êtes tombé dans la discussion avec un entrepreneur, monsieur Abdou Mamad, jeune entrepreneur, très ambitieux. Oui, au départ, il était d'abord littéraire, hein, c'est un collègue, Batouala, ouais, puisqu'il a aussi, aussi fini en lettres modernes, et ensuite, il a préféré exceller ailleurs, et voilà ce que ça marche très bien. Pourquoi pas inviter nos jeunes frères à faire autant? Les jeunes frères? Oui. Les jeunes Tchadiens? Ah, les jeunes Tchadiens, je les invite tout le temps. Ouais. J'ai une page Entrepreneur 235. Je fais des vidéos sur ma page Facebook, sur TikTok, et je suis suivi par plus de 12 000 personnes. Donc, je fais des vidéos constamment, je les encourage, je fais des publications. Toutes mes publications sont orientées vers ces sens-là. Je n'ai jamais cessé de les interpeller. Bon, moi, quand je vois des gens se battre pour la fonction publique, je ris tout simplement, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils peuvent avoir de l'autre côté. Moi, je trouve qu'aller à la fonction publique, c'est limiter sa vie. Pour une personne qui a des ambitions, qui a des rêves, ce n'est pas pour lui. Mais est-ce qu'on peut réellement entreprendre sans zéro franc? C'est possible, avec le numérique. Comment ça? J'ai commencé comment? Oui, le cas, oui. Le dropshipping. Il est un exemple alors. Le dropshipping. C'est-à-dire, vous avez votre Android, vous avez une connexion Internet, qu'est-ce qui va vous empêcher d'avoir de l'argent? Il y a des produits partout. Même l'huile de karité, l'huile d'arachide, si vous les mettez constamment sur votre statut, forcément il y a un preneur. Au début, ça ne va pas marcher. Peut-être une personne l'a vu, il n'a pas commandé, mais il sait que la prochaine fois qu'il en a besoin, c'est vous qu'il va contacter. Donc c'est comme ça que moi j'ai commencé. Forcément, au début, ça ne donne pas. Petit à petit, petit à petit, parce que les besoins, ce n'est pas tous les jours. Les besoins, c'est parfois. Les besoins, parfois, c'est aussi quotidien. Quand quelqu'un voit déjà un article chez vous, sur votre statut, même si immédiatement il ne vous contacte pas, la prochaine fois il en aura besoin ou une personne de ses entourages en a besoin, il va directement penser à vous. Qui plus est, il n'a pas besoin d'effectuer un déplacement. Non, la possibilité il n'a pas besoin d'effectuer. De livraison directe. Exactement. Les livraisons partout dans la ville de Niamey, peu importe la distance, on les fait à 1000 francs. Peu importe la distance. Donc parfois, même si c'est loin, on comble les restes. Donc ce n'est pas un problème. Donc à zéro franc, c'est vraiment possible. Il suffit d'être... La question que je pose souvent aux jeunes, comment ils ont fait pour avoir un téléphone Android? Comment ils font pour être tout le temps connectés sur Internet? Je leur demande pourquoi ne pas faire la même chose pour gagner de l'argent? Parce que puisque vous avez un téléphone qui coûte plus de 100 000, puisque vous avez tout le temps des mégas, pourquoi vous ne faites pas la même chose que vous avez fait? Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils peuvent faire la même chose pour avoir de l'argent. Ouais. Pourquoi quand c'est pour chercher de l'argent qu'ils ne peuvent pas? Je pense que c'est juste une question de détermination, c'est une question de volonté, c'est une question de décision, c'est tout. Vos propres projections d'ici à 5 ans, vous voyez où, comment? Moi ou l'entreprise? L'entreprise, oui. Ok. Bon, d'ici 5 ans, je me vois en train de déjà préparer ma retraite. Ah! Oui. Wow! Parce que l'objectif que je me suis fixé, oui.
après peut-être 35 ans ou 40 ans, j'irai en retraite. Ou je vais rester en retrait et... Les gens vont superviser de loin. L'argent va tourner tout seul. Exactement. C'est pour ça que je ne cesse d'essayer de diversifier les activités. Ouais. Parce que dépendre d'une seule source de revenus, ouais, vous avez un pied vers la pauvreté également. Donc, donc je préfère diversifier, même si le secteur A ne fonctionne pas, le secteur B produit. Donc, et vice-versa. Donc, c'est une chaîne. Donc, forcément, parfois, il y en a d'autres qui, les maillons, certains maillons ne donnent pas. Mais quand c'est beaucoup, à un moment donné, ça paye tous les jours. Vous avez déjà entendu parler de la clause de non-responsabilité lors d'un contrat. Vous savez ce que c'est? Non, pas forcément, mais j'en ai entendu parler. D'accord. Ben, on va en parler alors. Ok, il n'y a pas de souci.